Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale, comme vous aurez pu le remarquer dans le titre. Donc oui, en effet, je viens de recevoir une lettre avec, je crois, des petites choses à l'intérieur. Voilà. Donc je trouve ça trop mignon. Voilà, je lui ai donné mes coordonnées sur Snap parce que je lui fais confiance. C'est-à-dire que c'est une abonnée qui me parle depuis très longtemps, c'est une des premières à m'avoir ajoutée. Et voilà, à un moment, il y a des personnes où j'arrive à peu près à les... Je sais pas comment dire. En gros, je la... Voilà, elle m'avait déjà envoyé donc plein de snaps et tout. Et je sais pas pourquoi, mais je lui faisais confiance. Donc, bah, je lui ai donné mes coordonnées et elle m'a dit qu'elle m'enverrait quelques petits trucs. Et donc, j'avais pas... Enfin, j'ai juste regardé, juste lu le début de la lettre parce que je savais pas c'était quelle Andrea étant donné que j'ai plusieurs amis qui s'appellent Andrea. Donc voilà, elle s'appelle Andrea. Enfin, ça me fait trop plaisir. C'est vrai que c'est la première fois qu'une abonnée m'envoie quelque chose. Et en fait, il y a des petits cadeaux dedans que j'ai pas encore regardé, donc je regarderai après. Donc tout d'abord, en fait, elle m'a envoyé une petite lettre. Donc elle m'avait dit que ça la dérangeait pas que je la lise en vidéo. Donc voilà. Donc il y a un petit dessin de cheval qui est très bien dessiné. Par contre, je vois que t'as galéré à le faire puisque il y a les traces du gommage qu'on voit. Mais en tout cas, le final est joli, je trouve. Il ressemble à Spirit. Peut-être que c'est celui-là que tu voulais. Donc alors, chère Laurie, bonjour. J'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va. Je voulais te dire pourquoi je te fais cette lettre ainsi que ces cadeaux. C'est parce que tu es une personne envers qui? Il n'y a pas le qui, mais c'est pas grave. Envers qui? Donc, j'ai beaucoup d'admiration, mais aussi parce que tes vidéos sont toujours au top. J'espère qu'on se verra dans l'avenir. En tout cas, je te fais de gros bisous, Andrea. Donc, elle m'a mis des petits mots vers le cheval. Elle m'a mis je t'adore, t'es génial. En gros, tu es parfaite. Voilà. Donc, bah, écoute, je te fais plein de gros bisous. Je pense pouvoir en dire autant de toi. Même si tu fais pas de vidéo, tu m'as l'air d'être une jeune fille. Bah, magnifique, splendide et très gentille, donc voilà. Ça me fait trop plaisir, c'est vrai que ça me touche hein, parce que forcément, c'est pas tous les jours qu'on reçoit ce genre de lettres. Actuellement, un lézard de l'autre côté de ma fenêtre. Petit. Petit. Ah, bouge! Ah, il bouge. Ah, sa langue! Regardez sa langue. Oui. C'est choupinou quand même. Bouge! Voilà, moi aussi je te fais plein de gros bisous, puis j'espère que ton année ainsi que votre année à tous se passera bien, que vous avez passé une bonne rentrée pour ceux qui sont déjà rentrés. Moi, en ce qui s'agit de moi, je rentre demain après-midi. Donc maintenant, on va regarder les petits cadeaux. Elle a dû me faire des dessins. Elle fait des petites lettres comme ça, enfin des petits... Alors... Ton petit Belfast. Poney. Donc, elle dessine bien, je trouve. Moi, je suis très nulle en dessin. Mais en tout cas, Belfast, il a changé de couleur. Oh là là. Belfast est devenu orange. Mais en tout cas, le cheval est bien dessiné. Franchement, tu dessines bien. Je sais pas où je vais les mettre encore. Alors, ouvre pour un moment magique. Ouh, ça donne envie. Oh, la dessinée à Pégase. Un moment magique. Plein d'autres cadeaux t'attendent. Vite, découvre-les. Désolée pour la fleur. Quelle fleur? Sur le Pégase. J'ai voulu faire un hibiscus. Ah oui, je vois ce que c'est. PS, je sais pas dessiner des fleurs un peu comme ça. Bon, non, ça va, elle est jolie, hein. Moi, je suis encore plus nulle que ça. Regardez, elle est pas moche, sa fleur. Bon, de toute façon, je vous remontrerai tout dans l'autre sens pour que je puisse faire les macros sur les dessins. Bon, alors, on continue. J'ai été gâtée, hein.
Que c'est que toutes ces petites choses? Elle m'a emballé des petites choses, des petits dessins. Ah non, c'est dur. Elle a refait une petite fleur. C'est mignon comme elle a emballé ça. Ça s'appelle galérer. Ah ouais, d'accord, elle a emballé ça et elle a re-emballé. Qu'est-ce que c'est? Alors, il n'y a pas écrit ce que c'est. Ah, c'est écrit. Cette couverture est pour l'un de tes chlèches. Ils vont être contents. Alors, c'est une taille peut-être plutôt poney que cheval. Elle est jolie, elle est rose et noire avec un petit bouton cousu. Il va aller chercher un chlèche et je vais lui essayer. Le lézard, il continue de se balader, ça me perturbe. J'ai pris Amore, donc c'est la poney de Dartmoor qui traîne en haut de mon étagère parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur. Elle est un peu poussiéreuse, mais c'est un poney et c'est une femelle. Donc, on va voir si ça lui va. En tout cas, le tissu est tout doux, c'est trop agréable au toucher. Alors, oh, c'est peut-être un peu grand pour un poney. On va peut-être essayer avec un cheval finalement. Un double poney, c'est le mieux. Donc voilà, je l'ai mis sur mon petit poney d'école que j'avais customisé, qui est une horreur. Enfin, ça va. Mais bon, il y a mieux. Voilà. Donc, enfin, je pense plutôt que c'est une taille cheval. À la caméra, elle ressort vraiment très très grande, mais en réalité, ça va. Donc, mon custom a un peu mouru, étant donné qu'il prend un peu la poussière. Bon, bref, une petite couverture toute mignonne avec le lézard qui continue de se balader et de grimper sur mon mur. Oui. Donc, il reste deux petits paquets. Alors, celui-là, ça doit être le premier. Pour toi, avec un petit cœur. Deux petits cœurs. Je déchire tout. Mais elle a emballé ça bien. Elle a emballé ça dans un petit papier comme ça. Oh, c'est un collier en pâte fimo. Wow, non mais comment tu fais les chevaux? Elle gère, hein. Regardez. Attendez. Pareil, hein, je vous mettrai de l'autre côté. Il est super beau, franchement. T'es très doué aussi en pâte fimo. Il est beau. Je le mets. Demain pour aller à la rentrée. Ou alors je le mettrai. Je le mettrai. Je verrai quand je le mettrai. Parce que bon. Alors, on va le serrer, on va le mettre pour la vidéo. Comme j'ai un petit coup. Donc je lui enverrai un petit message sur Snap après. Je lui enverrai peut-être après avoir posté la vidéo. En fait, j'aimerais lui faire un peu la surprise, même si elle sait, puisque c'est elle qui me l'a envoyé. Attendez. Bon, voilà quoi. Les jouets. Joli. Regardez. Donc voilà, et puis il en reste un. C'est un truc bizarre. Ah, ça doit être un bracelet. Encore pour toi. Avec un petit smiley. Je pense que c'est un bracelet bleu. Ah non, c'est deux bracelets. Alors, c'est écrit en quelle langue? C'est marqué Volcom Stone. Alors, soit c'est pas une langue et c'est plutôt une marque. En fait, je sais pas du tout ce que ça veut dire, donc je lui demanderai sur Snap. Ça se trouve, c'est pas une langue, c'est une marque. Ou alors, c'est complètement autre chose, j'en sais rien. Donc, il y en a un doré comme ça et un blanc. Donc, je pense qu'elle me les a donnés et que c'était à elle, puisque le blanc, il est un petit peu abîmé. Donc, c'est trop mignon. Donc, moi, je suis pas très très fan de bracelets, c'est-à-dire que je mets jamais de bracelets. Mais voilà, je vais bien sûr pas les jeter, je vais les garder. Mais je pense que je les mettrai sur mon bureau. Puis, ils sont trop grands parce que j'ai une toute petite main. Mais... Donc voilà, j'ai mis du bazar partout. Donc on va faire un petit récapitulatif de tout, mais avant, voilà, je vais faire un petit récapitulatif en musique. Donc avant, je vais terminer cette vidéo. Donc je m'adresse forcément à toi, Andrea. Je te fais plein plein de gros bisous. Voilà, sache que ça m'a fait super plaisir.
Parce que voilà, t'es la première déjà qui m'envoie quelque chose. Et ensuite, ne serait-ce que, tu vois, t'étais pas obligée de me faire plein de cadeaux comme ça. Mais ne serait-ce que juste la lettre, c'est vraiment. Bah, ça montre qu'on fait pas non plus YouTube pour rien, dans le sens où c'est une abonnée qui montre qu'elle me suit vraiment tout le temps. Donc je sais qu'il y en a plein d'autres qui me suivent, qui me mettent des commentaires très régulièrement. Mais voilà, elle m'avait expliqué qu'elle avait pas de chaîne YouTube, qu'elle pouvait donc pas me laisser de commentaires. Donc en général, elle commente mes vidéos sur Snap. Et voilà, ça me fait super super plaisir. Moi, je te fais plein plein de gros bisous. J'espère que ton année scolaire va bien se passer, que tu réussiras ce que tu veux faire dans ta vie. Et voilà, fais ce qui te plaît, ne change pas, reste comme tu es. Je te fais plein plein de gros bisous. Et on va aller sur le récapitulatif. Gros gros bisous! Life.